La femme est un personnage de cinéma fascinant lorsqu'on la montre en pleine tourmente ou au cœur d'une remise en cause personnelle et intime. La réalisatrice dont nous allons parler aujourd'hui fait partie de ces auteurs cherchant à peindre la femme face aux grandes étapes de la vie. Lisa Azuelos est une réalisatrice d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 22 ans. Elle s'est faite connaître grâce à un succès devenu planétaire, mais cette metteur en scène a surtout réussi à se faire une place au cœur du cinéma français grâce à un regard unique et sensible sur la femme, quitte à tomber dans les travers de sa représentation la plus clichée. Se perdant parfois dans un regard trop sirupeux ou niais, celle-ci ne réussissant pas toujours à regarder ses personnages avec la tendresse et la sensibilité nécessaires en fonction de leur position dramatique ou de leur message cinématographique. Au fil de sa filmographie, encore assez courte, cette jeune metteur en scène a su imposer un regard cru et sincère sur la femme, un regard tout de même émouvant, quoique un peu trop premier degré parfois. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de se faire une place solide en tant qu'auteur, par le biais de son regard et de sa sensible écriture. Ses films se perdent souvent dans une forme de sensibilité cinématographique qui reste un peu trop en surface, ne réussissant pas toujours à nous faire comprendre les actions ou les intentions de ces jeunes femmes, laissant le spectateur terne face à une aventure finalement vaine ou simplement mal amenée. Mais si l'on se penche dans le cœur de ses récits et de ses compositions cinéma, on se rend compte que c'est avant tout autour de la tendresse qu'elle porte sur ses personnages et de la justesse d'écriture des émotions qu'elle cherche à peindre qu'elle a réussi à se faire une patte et à s'imposer au cinéma. Sensible, amoureuse des femmes fortes et créatrice d'aventures humaines puissantes, Azuelos a réussi à se créer une identité propre au sein d'une production très machiste et souvent misogyne. En cela, sa présence solide au sein du cinéma français sonne comme une anomalie, assez agréable à voir grandir. Un groupe de femmes partageant un quotidien qui va les bouleverser, une jeune adolescente cherchant sa place dans la vie et dans celle de sa mère, et une femme cherchant l'amour à tous les coins de rue avant de tomber dessus, tous ces portraits nous exaltent et mettent en avant un regard simple et juste sur la femme. Qu'elle soit jeune, qu'elle ait été déchirée par la vie ou simplement écorchée par une étape charnière, Azuelos veut d'abord la montrer comme un être tourmenté avant d'en faire un personnage fort et puissant qui emmène l'œuvre de bout en bout par une immersion à fleur de peau. C'est cela la force du cinéma d'Azuelos, un regard sensible et simple qui permet à son cinéma d'être immersif en deux temps d'écriture et trois mouvements de caméra. Mais pour autant, cette simplicité bouscule un peu lorsque l'ensemble du film se repose uniquement là-dessus et sur rien d'autre. Maladresse dans le rapport que ces femmes entretiennent avec le monde, tristesse d'un regard par moments un peu trop lourd et facile, la jeune metteur en scène se perd souvent dans une composition de ses galeries de personnages qui ne réussit pas à sonner en adéquation avec son propos ou le message de ses films. Cela n'entache en rien son style, qui reste la base de son œuvre et de son regard sensible. Mais c'est en cela que, au bout du compte, le romantisme un peu trop facile et finalement vain des femmes peintes par Azuelos ne réussit que rarement à la fin de ses longs métrages à totalement nous convaincre. Plonger dans le cinéma de Lisa Azuelos, c'est chercher à contempler la femme par le biais du regard sensible d'une jeune metteur en scène, cherchant à questionner sa place dans la société. On peut reprocher beaucoup de choses au cinéma d'Azuelos, mais il est certain que la sensibilité de sa composition donne beaucoup aujourd'hui à la production audiovisuelle hexagonale.